Comment est-ce que Céline Dion n'a pas Facebook, n'a pas Instagram, n'a pas Twitter, n'a pas Snapchat? Je croyais que j'étais la seule à remarquer ça. Non, mais j'ai 30 d'abord à 10. Premièrement, elle a fait l'émission. Je vais mettre quelque part ici la photo. Vous pouvez partir regarder vous-même la vidéo. Écoutez vous-même si tu parles Lingala. Parce que je ne veux pas que vous m'accusez que ouais, tu as ajouté. Je ne veux pas d'ajout. Je suis juste en train de vous raconter ce que mais j'ai 30 à dire. Premièrement, elle dit d'abord, elle va pas appeler Cindy. Elle va appeler Cindy Candy. Parce que ça, c'est son nom. Ok. Ça là, je trouve un peu. Shade, she was throwing shade. Parce que, mais j'ai, toi aussi tu as le nom, mais j'ai 30. Est-ce que c'est ton nom? Non. Alors, passons au deuxième point. Mais j'ai 30 dit que non. Même Beyoncé a Instagram. Hein? Comment est-ce que Cindy ne peut pas avoir même Instagram? C'est comme si hein, Cindy Lecker s'est déjà confirmé que Cindy n'est pas en train de vivre au 21e siècle. Cindy est restée au 20e siècle. À cause de qui? Allegedly. Tata Mobimba. Ce n'est pas moi. Donc les fans, je suis en train de dire bien allegedly. Apparemment, ce n'est pas moi. C'est Meje qui a dit ça. Elle dit que Cindy Lecker au 20e siècle. Donc, vous pensez quoi? On doit faire du genre Surviving R. Kelly Congo? Ou comment? Quel genre d'intervention on va faire? Qu'on fasse une pétition pour qu'on donne ça à Papa Mobimba allegedly, je ne cite pas les noms ici, pour que il fasse que non, notre star, notre belle Cindy ait enfin sa page Facebook. Là où Cindy peut dire bonjour à ses fans, bonsoir à ses fans. Comme nous tous ici, nous avons nos Snapchat, nos Instagram. Alors Insta, vous voyez, je suis en train de manger. Et j'ai mangé aujourd'hui. Hein? Cindy aussi peut commencer à nous dire des choses comme ça. Donc s'il vous plaît, si vous voulez, dites-moi en bas, si vous voulez qu'on commence la page pétition, écrivez en bas le titre de la de quoi, le titre aussi de notre pétition, écrivez ça en bas, parce que lorsqu'on va envoyer ça au bureau de là où elle travaille, ils vont voir que non, nous sommes nombreuses à vouloir que non, Cindy ait une page, soit Instagram, soit Facebook, soit sur Twitter, parce que Meje a dit ce n'est pas tata peau. Elle a dit que non, la personne à qui Pauline, arrange tes mots. Allegedly, ok? Allegedly, la personne qui est en train de gérer la carrière de Cindy, allegedly, Grand Mopao, allegedly, lui-même, il est déjà sur Instagram, il est déjà sur Facebook, il est déjà sur, je sais pas si il est sur Snapchat, je sais pas, il est déjà partout. Mais comment est-ce que Cindy est restée sans réseaux sociaux? Ce sont juste les questions que Meje a posées. Aidez-moi. Si vous voulez qu'on fasse une pétition pour que mon pao laisse Cindy avoir Instagram, écrivez en bas. Qu'est-ce que vous en pensez de cette révélation? Ce n'est pas moi, les fans, pardon. Ok, j'ai juste rapporté ce que j'ai écouté sur une vidéo sur YouTube. Si vous voulez verser tous vos insultes, il faut partir là-bas. Ok? Alors, Tata Po va s'arrêter là. N'hésitez pas à désinscrire la kit. Et on se retrouve pour une autre vidéo, les divas. Ciao!